m'appelle Lenny. Je suis actuellement à la mission locale et grâce au sportif citoyen, j'ai réussi à rentrer en alternance à l'IUMM. Bonjour Léa. Bonjour. Alors dis-moi, tu es à la mission locale ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? Aujourd'hui, grâce à Laurence et Karine, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, début septembre, je vais m'inscrire à Jules Le Seine pour faire mon bac pro commerce en un an. Du coup, je pense que sans ça, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire un bac pro déjà, de base. Et ensuite, voilà. Bah super. Je vais continuer à faire des stages et sans penser à ça, et à mon avis, en fait. Bon, bah super, écoute, c'est ce que tu voulais faire au départ le commerce? J'y pensais beaucoup, mais je pensais pas vraiment que je pouvais le faire, en fait. Bah maintenant, tu sais que tu peux le faire. Oui. Et puis le Krav Maga, alors, ça, c'est bien ou pas? C'est super bien. C'est super bien. Bah, ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre confiance en moi et... Maintenant, je sais me battre. Super! Bravo Léa! Bah écoute, bonne continuation à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Corentin. Alors dis-moi. Dis-moi, t'es à la mission locale? Oui. Alors explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu fais ici? À la mission locale, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je suis parti sur un truc qui me plaisait, à savoir le monde de la littérature. D'accord. Et quand j'ai intégré le sportif citoyen, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement une bonne idée. Et finalement, je vais finir par intégrer l'UMM dans l'industrie. D'accord, c'est quelque chose qui t'intéresse en fait. Oui. T'as quoi comme formation au départ ? Un diplôme de menuisier agenceur. D'accord, donc t'as vu la possibilité de transférer des compétences que t'avais déjà. D'accord, bon, tu vas continuer la librairie ? Oui, toujours. C'est une passion ? Oui. Bon, super, écoute, bonne chance pour la suite. Merci. Bonjour Zaina. Bonjour. Alors dis-moi, t'es à la mission locale? Oui. D'accord, t'es sur Le Havre? Oui. Et dis-moi alors, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Le sport citoyen, D'accord. Non, vas-y. Donc t'es au sportif citoyen, tu fais partie, donc t'as intégré un groupe. Oui. Et du coup, t'as pratiqué le sport et quoi d'autre? Et maintenant, je voulais. T'as fait du coaching personnel. Bon, et ça t'a permis de savoir ce que tu voulais faire. Est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais faire avant de venir ici? Oui, mais pas vraiment sûr. D'accord. Et là, aujourd'hui, t'en es où finalement dans ta démarche? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, je vais intégrer... Oh non. Tu vas faire un stage, en fait. Est-ce que je pourrais couper, s'il vous plaît, pour refaire? Donc dis-moi, le CAP Petite Enfance, donc ça t'a intéressé. Qu'est-ce que tu vas faire là prochainement? Je vais faire une enquête métier en petite enfance. Super. Au club Vitamine. Vitamine. D'accord. Comme ça, ça te permet de découvrir le métier avant de pouvoir faire vraiment la formation. Oui. Bon, super, t'es contente? Oui. C'est ce que tu voulais faire? Oui, c'est ce que je voulais faire. Bon, super Zaina, bonne continuation. Merci. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors dis-moi, tu as la mission locale du Havre? Oui. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien? D'accord. Donc on t'a orienté aujourd'hui vers un nouveau dispositif où tu fais du Krav Maga et du coaching? Oui, c'est trop bien. D'accord, super. Et pourquoi c'est trop bien? Parce que j'aime bien le sport. Ouais. Et avec toi, tu m'apportes beaucoup dans mes projets personnels. Ah merci, et super. Génial. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi? Je veux être agent immobilier et pour ça, je vais reprendre mes études grâce à toi. C'est grâce à toi. Écoute, super. Donc, tu as à découvrir le lycée Jules Le Seine. Oui. Prochainement. À la rentrée, j'ai un rendez-vous avec... Avec une dame, oui, pour pouvoir découvrir ce secteur-là. Bon, super. C'est ce que tu voulais faire? Oui. T'es contente? Oui. Bon, écoute, bonne continuation, Leïla. Merci. Bon voilà, c'est trois semaines qui se terminent. On a fait un super stage. C'était vraiment bien. Tout le monde était assidu. Donc voilà le groupe de jeunes. Tous ont trouvé leur voie. Donc c'est une grande satisfaction pour eux tous. Les filles maintenant, c'est des championnes de Krav Maga. C'est vrai ou pas? Oui. Bon, super. Karim, comment ça s'est passé le sport? Bien, ils ont bien progressé. Chez groupe en deux, ils ont découvert un nouveau sport. Ils étaient assidus et on a fini avec quelques petits combats plutôt sympas et ils savent maintenant se défendre, ils ont confiance en eux, donc ça va.
Bon ben bravo, j'ai envie de dire les jeunes de la mission locale, bravo sportifs citoyens. Ouais.